Et bah, on recommence. Bon, dernier essai. Hein. Ouais, petite paraxolos là. Alors, en fait, pour expliquer ce qui vient de se passer, d'une, j'ai mal joué. Ça, ça explique beaucoup de choses. Et en fait, deuxièmement, en gros, pour te faire simple, tu t'es obligé de récupérer des morceaux de maman pour aller des morceaux de couteau de maman pour aller voir le True Final Boss. Et le True Final Boss, on va dire, qui est l'objectif de cette run-là. Et donc, ce qui se passe, en fait, c'est que t'es obligé de toucher un feu. Quand tu touches ce feu, tu deviens The Lost avec Holy Mantle. Sauf que j'ai voulu bourrer. Et les frames de Holy Mantle ont l'air d'être un petit peu nerfés par rapport à avant. Donc, d'où la mort, je pense, qui vient de se passer. En fait, c'était vraiment rapide, quoi. Enfin, honnêtement, techniquement, je pense que j'avais le temps de le battre sans trop de problèmes, là, l'ennemi. Et derrière, entre guillemets, de prendre mon temps et de clairer la salle tranquille. Après, pour le coup, on n'était pas dans une run non plus. On était dans une run où j'avais beaucoup de dégâts, mais on n'était pas dans une run très simple à gérer parce que j'avais beaucoup de. En fait, j'avais pris Jash Shadow. Et Jash Shadow a été quand même très très fortement nerf par rapport à avant. Donc, comme beaucoup d'objets sur Repentance de manière générale. Ouais. Je veux dire ce qu'il en est. En plus, il y a boutique qui a des trucs cool. Je crois pas avoir vu un truc très très cool. J'ai l'impression d'être honneur d'un premier Zelda, quoi. À bourrer la même touche à chaque fois. J'ai vu c'est quoi dans l'item dans le shop, j'allais voir quand même par acte de conscience. Oh, c'est de la merde en vrai. Quel intérêt. Après, King Baby, c'est bien. Hein. Est-ce que ça serait pas craqué King Baby en vrai? Est-ce qu'on le prendrait pas? Bien! Alors, bon, allez, on va aller direct dans Hacker's Flow, même si c'est pas forcément une bonne idée. Non, le temps il est plus court. Là, clairement, honnêtement, pour te dire, j'ai beaucoup plus bourré des Holy Mantle dans mes parties. Bah, dans mes parties casus, bon, aussi, dans mes speedruns quoi. Et techniquement, c'était quand même beaucoup plus. C'était beaucoup plus long dans mes souvenirs. C'était. Tu perdais pas aussi vite ta vie. Tu perdais pas aussi vite tes frames d'invulnérabilité avant, clairement. Il y a vraiment moins que ça aille vite là. Il y a moyen de farmer pas mal. Fin de la vie, c'est cool. Oh, je fais pas le piège, je pense. Comme toujours mal, techniquement ça va plus vite. Hein. Là après vraiment, j'ai bourré. Ouais. Oh, je bois un peu trop encore. Y'a quoi là-dedans? On sait un peu toi. On peut avoir Scatol. On peut avoir Scatol. Oh là 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 là. La run est nulle. On n'a pas Scatol. Je bois un peu trop là en vrai. En fait, je pense que j'ai tendance à vouloir aller un peu trop vite et c'est pas forcément une bonne idée là. Ou bien ça. Pour refaire un peu de pièces. Après, il faudrait voir, mais je pense qu'il y a des tests qui ont déjà été faits et globalement. Je pense que tout le monde avait été d'accord pour dire que ça a été bien nerf quand même, hein, mine de rien. De quoi? Le Holy Mantle sur The Lost. Après, j'ai pas joué Zeus pour l'instant, donc ça se trouve c'est des conneries, hein, mais j'ai vraiment eu l'impression de pas avoir pu bourrer comme j'aurais pu bourrer sur After Wars Plus, quoi. Je suis un peu con là. On reviendra après. J'ai bien d'en choper un autre. Je peux plus faire de. Sur je perds le cœur, c'est pas la fin du monde. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Non, en vrai, il fallait le perdre. Je le perds, hein. Non, je perds pas. Ah! Change un peu. Oh, le farming qui est tellement worse. Il est long mais il est worse. Rosie. Ça va se barrer de la pièce. Je pense qu'en vrai le cœur blanc on le perd pas, c'est bien. Non. Non, toujours pas. Faut que je revoie de toute façon, enfin j'ai toujours pas vu. Bah. Je vois qu'est-ce qu'il fait,
J'ai vu ce qu'il faisait. Je suis vraiment en train de bourrer comme un con. J'ai vu qu'il avait plus Holy Mantle. Après avoir si vraiment si problématique que ça. Oh, Scatol ! Ouh ! Plus que ça a rien. Blues of Steel. On a vraiment bien farmé, hein. Tout speed up, HP down. Ah, ça c'est pas trop plaisir, ça. Je continue de bourrer un peu. Faut continuer ça. Range down. Ah, range down, je sais pas si ça fonctionne avec l'épée. C'est assez curieux là. Un peu, y a un peu de science à venir là. Allez, donne-moi un truc toi. Et bah voilà, tu vas quand tu veux. Virus qui a une augmentation de vitesse maintenant, hein, de manière assez étrange. Le secret, 6. Ah oui, juste 6 Staros Kloss. Ah oui, 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 excellent, excellent, très bien. C'est quoi la pilule là? Ah bon, là, il est bon. Ah. Shoot speed up, lockdown. De vie. Bon, on va voir. Et après, on va faire du Maggie. De toute façon, on va plutôt prendre The Lovers. Techniquement, je pense que la run est mieux partie que la run d'avant. Petit tears up en plus. Ah, rejoue à Shadow. Ouais, non, on va jamais le proc. Non, à partir de Godroom, tiens, allez. C'est pas terrible. Ah, Petro, c'est mieux que Lovers. Bon, et cette fois-ci, j'ai compris, je ferai gaffe, hein. Bonjour, Malada. Bonjour, Crâne Chauve. Alors, c'est moi, hein, c'est... Bonjour à tous, c'est Jean-Michel. Hein. Ouais, il est pas mauvais, Isaac, Jean-Michel Blanquer. Hein. C'est incroyable. Hein. C'est... Il est très très bon. Meilleur que Figan. Oui, oui, probablement. Hein, vu ce que j'ai fait depuis le début du stream. Oui, probablement, c'est ça le. On rigole pas avec Jean-Mi. Hein. Ne pas prendre la tique, ça serait assez terrible. C'est pas une énorme diff, mais bon. Ouais, les Devil Deal, je suis d'accord avec toi, ils étaient un peu au-dessus avant, je pense. Mais effectivement, les Angel Room, ouais, elles sont beaucoup plus worse à jouer qu'avant, ça c'est clair. Bah en fait, le problème qu'on va avoir en termes de speedrun pur, je pense que va falloir qu'on s'attende à avoir un souci encore plus grand de chance par rapport à avant. En fait, ce que je veux dire par là, c'est les runs vraiment. Je pense que si tu prends deux bons runners, vraiment, ça va être du 50-50. Contrairement à avant, où peut-être celui qui était un petit peu meilleur, il avait moyen de gagner avec plus de chance contre un runner de un moins bon que lui, quoi. Là, pour le coup, vraiment, je pense que ce découpage jeune va plus avoir lieu. Oh, je l'avais eu. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Kayosh. De quoi, j'ai pas écouté depuis tout à l'heure en fait. Ah, bah, terrible! Je sais pas si. De différence entre runner, Angel Room, Devil Deal. Ouais, je sais pas si on va avoir un même ajustement. Alors, ça, je sais pas du tout parce que le truc aussi qu'il faut se dire, c'est que. Bah, on est qu'à quoi? Une semaine de l'extension, donc je sais pas si c'est des trucs qui vont être patch, qui vont être un peu modifiés. Ouais, t'es content. Regarde ça aussi. Donc faut voir. Bon, c'est pas si mal. Moon, Ice Club, Smash Shen, on va garder la Moon. On va faire notre petit passage au Limantle. Ah, j'ai pris la tique. J'ai dit que je voulais pas la prendre. Je l'ai... Connard. C'est exactement ce que j'ai en train de penser.
Il y aura le balancing de Racing Plus, il y aura de ça aussi, ouais, voilà, enfin, ce qu'il faut se dire. Boulet. Ouais, un peu, ouais. Là, faut dire ce qu'il en est, j'ai dit que je voulais pas l'apprendre, hein, et je fonce dedans. Quel homme. Alors, ne pas refaire la même que tout à l'heure. Comme ceci. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi, Grid. Je pense qu'en vrai, il y a personne qui va le runner déjà. Enfin, de base, avant que Xaniel passe dessus. Peut-être que je serai un Seven Shard pour le LOL en vrai, mais. Même pas dit. Hein. On va peut-être voir si je fais du streak ou pas. This is the magic of Isaac. En vrai, je sais pas. Déjà, je vais faire le jeu à 100%, puis on verra. Mais techniquement, il y a quand même pas mal d'objets qui sont bons. Hein. Faut se dire ça aussi. Hein. 34 chars. Street Keeper Mum. Et vous êtes fous. Ah, le 34 chars, je pense que c'est pas. C'est... Personne ne va le faire en vrai. Non. Non, 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 non. Oh, je me casse, tant pis. Là, quand tu vois certains persos qui vont être assez cancer en phase B, ouais, je pense. Bah, tout va être assez cancer en vrai. Ouais, enfin, si tu dois build deux persos au lieu d'un, c'est ce que je me suis dit, Golgoth. Moi, en vrai, j'en ai parlé, enfin, j'en ai un peu parlé avec ma chère étante là, et j'ai clairement dit, je pense que ce mois-là va être. Ça va être mon jeu du confinement en vrai. Enfin, et je suis même pas sûr qu'à la fin du confinement je l'ai terminé, hein, sans déconner. Hein. Parce que ça a l'air ultra long, hein, ça a l'air infini. Hein. Alors moi j'ai regardé, je suis déjà à 45 heures de jeu depuis mercredi sur Isaac. Ouais, je crois que je suis à 30 moi. Ce qui est assez énorme hein, pour le coup. Rarement un jeu m'aura autant aussi hypé, hein. Enfin, faut dire. Vraiment je trouve ça cool, ce qui a été ajouté est cool aussi, enfin vraiment... Sans déconner hein, c'est vraiment, c'est du bon boulot hein, qui a été fait. Hein. Oh, en termes de boulot, ça, j'ai rien à te dire. Ah oui. Par contre, ouais... Ah oui non mais de toute façon les premiers, je pense que les premiers 100% qui vont tomber, je sais pas ça sera quand mais en vrai je pense que ça va être dans une ou deux semaines. Pour ceux qui farment vraiment beaucoup. Hein. Donc tu penses à Shishiyu? Ouais peut-être dans une ou deux semaines pour Shishiyu et encore. Moi je me donne un mois à peu près. Me donne jusqu'à fin mai. 10-15 jours. Encore des secrets? Non, je crois pas. Je crois qu'on a tout découvert. En tout cas, les achievements, on sait à peu près tout ce qu'on va les avoir là. On peut aller dans les secrets en vrai. On va aller dans les secrets. De Jakroom? Ouais. Oui, oui, j'ai vu ça. Alors, je sais pas trop comment ça marche. Pas spoiler. Et je pense que tout a été découvert sinon par ça. Bah je sais comment on fait pour y aller dans ces trucs là mais. Les deux deck room moi je sais pas. Ah il faut trois objets particuliers, c'est une transformation en fait. Ouais mais y en a aussi qui ont commencé avec des persos pas compliqués hein. Bah moi le premier hein, Isaac B il est pas si compliqué que ça en vrai. Moi j'ai toujours pas fait les phases B. Je me lock et je les ferai plus tard. C'est ça quoi, enfin. Là le perso Maggie a pas l'air très compliqué non plus. T'as toujours pas fait Brains? Ah Brains, oui c'est. Brains, je me rappelle, enfin, la deuxième fois que j'avais fait le 1001%, j'avais vraiment pété un cap sur le chain. Bon non, c'est pas le challenge le plus compliqué. Oh, Brains. Ah, il y a Ultra Hard aussi, hein. Ultra Hard, il est... Apparemment, il a été nerf, de ce que j'ai entendu. Oh, il est S-tier aussi, hein. Dans les challenges ultra durs, il est S-tier. Déjà, Isaac, c'est pas mal, hein. Mais Brains, non, il est ultra dur, Brains. Faut dire ce qu'il en est, hein.
Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je pense qu'en vrai, il y a un peu tout qui va bloquer fatalement à un moment donné, mais. Mais Sagdak, c'est pas si bon que ça. Hein. Je sais pas, Money Call Power comme tout à l'heure. Ah! D'accord, il y a un challenge encore plus dur que Ultra Hard. Ok. On le tentera, hein, de toute façon, Blast Minify Fire. Je ne répéterai pas ce que je viens de dire. Je crois savoir. Enfin. C'est le challenge que j'ai testé hier. The Fast B qui va faire chier. Oui, aussi, je pense. Et après, c'est pour ça, en fait, moi, je vais quand même plutôt aller voir un peu les patterns de Mover. Là, vous voyez, Mover. Enfin, mine de rien, sur le combat d'avant, j'ai quand même tenu pas trop mal, quoi. Enfin... Et je pense qu'en vrai, Mover, les patterns sont tous ultra définis. Il y a assez peu d'hasard, en fait, au combat. Ouais, ça, je suis entièrement d'accord. Contrairement à Dogma, ou que Dogma, voilà. C'est plus difficile de... Contrairement à Dogma, ou à Mega Satan, hein, même Mega Satan, tout bêtement, hein, Mega Satan, il est... Mega Satan, quand on regarde, c'est que du... C'est beaucoup, beaucoup de hasard, en vrai, hein. Je pense, enfin, clairement. Curse of the Lost. Alors, non merci. Suicide King qui a bug deux fois d'affilée. Bon, il y a toujours des bugs, hein, de toute façon. Ah, Guppy's Eye, intéressant. Très bien. C'est quoi ça? Y'en a, mais pas tant que ça finalement. La World! Je trouve qu'il y a énormément d'hasard quand même. Hein. Méga Satan. Même la partie quand elle retombe, finalement, elle est pas si sûre que ça. Hein. La pire attaque pour moi, c'est vraiment. Ouais, si, c'est dans la deuxième partie où elle met ses verres partout là. J'en parlerai tout à l'heure quand on la verra. Je trouve celle-là assez infâme en vrai, mais le reste. Le fight, je pense pas qu'il soit si sûr que ça. Je pense qu'on a fait une montagne pour pas grand-chose en vrai. De quoi pour Mother? Ouais. On verra tout à l'heure. Après, ça se trouve, je dis ça, je vais encore mourir comme une grosse merde. Je dirais, c'est de la merde, c'est infaisable. De toute façon, je vous connais, hein. Ouais, c'est que de l'esquive, ouais, faut pas attaquer. Ah, c'est vrai que je peux être avec ma roue. Alors, on parlait tout à l'heure, ouais. Et c'est Golgot, il avait exactement le même raisonnement que toi. Et... C'est vrai que j'ai tendance à penser aussi que les Angel Rooms sont mieux que les DD maintenant. Hier, on a eu une run là avec. Bah, j'ai fait un peu de Isaac B. J'ai eu une run. En fait, c'est les Angel Room qui est pour sauver. Et en fait, comme Isaac peut pas porter beaucoup d'objets en même temps, et bah du coup, j'ai totalement été sauvé en prenant que des objets d'Angel Room, quoi. Après, il faudra faire Mover avec. Ça va être incroyable. Hein. Et un rocher marqué qu'on peut pas prendre, dans c'est bien. Et sinon, c'est feu là. What? Bon, tant pis. On a pas vu. Attends, y'a un bug là. Ouais. Ouais, peut-être. C'est vrai que les items de DD avant, c'était ça qu'il disait si t'allais vite ou pas. Après, je sais pas ce que ça a donné sur la méta en vrai, maintenant. Sur la méta du speedrun, je veux dire, de manière générale. Pourquoi il fait rien, lui? Je sais pas pourquoi il faisait rien. Pas d'attaque. Merde. Elle garantit Angel Room, ça a toujours été le cas, hein, de toute façon. Ah oui. Fais ton attaque, toi. Oh, nique. Après, t'as garanti Angel Room, c'est avec quoi? C'est avec avec l'objet classique, non? Merde. Bon, tant pis, j'ai pris pas mal de touches, là.
Avec Garrus. Que le KS il était déjà de base dans Afterbirth Plus. Oui, oui, mais après je vois pas comment. T'as essayé la coop? Non, toujours pas. Faudrait que je le fasse d'ailleurs. Ok, d'accord, bah c'est bon, ça va. Bah tu vois, je ne savais pas. Donc là, on va avoir une God Room quoi qu'il arrive après. En fait, t'as vraiment une alternance. D'accord. Oh non mais les Spiron Cop les gars, vous allez avoir beaucoup de ça. En vrai, c'est mille fois mieux ça. Attendez-vous à avoir des Race Cop, putain des Race Cop, t'imagines. Speedon 2, Race Cop, BAM. D'accord, ok. Et après c'est l'alternance, d'accord. C'est bon à savoir. J'ai pas encore regardé trop les méta du jeu on va dire. Coop à combien? Ah oui, tu peux faire coop à 4, j'ai vu. Bon, après, coop à 4, ça veut rien dire. Ouais. J'ai réussi à tout avoir d'un coup. Godroom. Alors on a Sacré Dart, mais fake Sacré Dart, je me suis refait avoir. Et on a le ventilo, on va prendre bien sûr le ventilo. On va faire l'ange comme ça, on aura plus de chances d'avoir des Godroom, je crois. Même ça, ça marche tout le temps. Mes souvenirs. Hein. Ouais, on a un petit peu plus de chance. D'accord. Ok, bah c'est bon à savoir. Faut vraiment pas rentrer dans le DD, d'accord. Au moins c'est plus simple pour Mega Satan maintenant aussi, hein, ce que je me dis. On part au champ en vrai, hein. Je pense qu'il y a pas vraiment d'intérêt que je continue à prendre mon temps. Sur la mausoléum, pour le coup, on commence à être dans l'étage dur. J'espère bien, ouais. Techniquement, je pense que je suis pas trop mal. C'est pour ça qu'on va rusher. On va de vrai. Oh, quoique, on a Guppy's Eye, hein. Ah, on est super bien jusqu'à cette salle. Quel enfer! Deux touches ça va en vrai. Hein. Une salle comme ça, c'est pas si mal. Attendez, il y a moyen d'économiser une bombe. Ouais, c'est par là. Je pense qu'on est pas trop mal, ouais. Ah, le Guppy's Eye, il est vraiment trop fort hein, ce truc, c'est ouf. Ah, c'est un peu pété quand même. Ah, c'est ouf de chez ouf. Hein. On va peut-être du Apoc plus tard. Donnez-moi un truc. Oh, Solf Isaac. Nice. Ça, c'est cool ça. Sauf que. Ouais, en vrai, vas-y, on va l'utiliser. Ah! C'est quoi ça? Spin Down Dice. Oh, Nick, j'ai varié mon Affinity. Enculé. Bon bah, tant pis. Je sais pas c'est quoi ça. Je sais pas c'est quoi, mais tant pis. Bah, ça avait l'air pas mal. Alors, on a eu de faire ça. En vrai, on se barrait. Hein. Je pense qu'on a tout vu hein, sur l'étage. Ah, le Affinity, c'était vraiment trop bien et. Merde! C'est ballot. C'est ballot. Juste envie de voir un peu l'effet de ça là quand même. On va faire un peu de ça. Le dice t'as peut-être une idée. Autant la solo of Isaac là, c'est vraiment bien, ça c'est. Bah c'est comme Isaac alternatif en gros hein. Comme Tainted Isaac là. Autant celui-là j'ai pas trop d'idées. En plus c'est 7 charges. Non 6, j'ai pas compté. Ah, le coup dur. On peut pas le prendre. Ah si, on peut le prendre, mais ça sert à rien. Bon, on va voir. Hein.
Oh, le coup dur, par contre, on était vraiment bien en vrai. Hein. Sans déconner. Le petit reroll du Dinfinity, je pense. Y a pas la cam, mais dans mes yeux, j'étais en mode. Merde. Dans mes yeux, j'ai vraiment dû me dire merde en fait. Ouais, possible. Bon, ça on va pas le reroll, hein. Damage up, on reroll pas. On va tester, tiens, on va tester. En vrai, je pense que ça peut être pas si mal que ça, mais oui, c'est possible. C'est... Mais enfin, s'il faut se mettre à connaître les ordres des objets, on aura plus rien envie à Pokémon, hein, en vrai. Hein. Après, ça marche peut-être sur les pick-up, mais là, j'ai plutôt envie d'essayer sur le potentiel God Room qu'on va avoir là maintenant. Oh, c'est lui là sur cet étage en vrai, hein, sans déconner. Mais c'est possible, ouais. De toute façon, c'est moins 1. Hein. Quand on l'a vu, quand on l'a pris, ça a dit moins 1. Donc, qu'est-ce que ça a fait exactement? On sait pas. Le rocher. Ok. On va voir, hein. Holy Mantle! Oui, Holy Mantle, on va prendre. Hein. Attends, on reroll pas, on fait pas les cons. Hein. On va voir si ça marche là. Allez, croix de données, c'est bien. Ah, le Cup Isaï ne fonctionne plus après. Ah non, si, ça fonctionne toujours, c'est juste que c'est un coffre vide. D'accord, donc là ça fonctionne. Bon, ça on prend, hein. Y a pas à chier. Ah, Magic Egg Ball, c'est une pièce. On l'aura pas, je pense. Donc là on essaye. Eh bien, écoute, Chou, je pense que tu as raison. Putain, mais Chou, il est trop intelligent ce garçon. Chou, il est trop fort. Moi, quand je serai plus grand, je voudrais être comme Chou. Ah! Ah, mais on a Holy Mantle! Bah oui, il a rien gagné. Ah, Die Shard, par contre, ça, on sait qu'est-ce que ça fait. Hein. Ah! Ah, mais c'est intéressant aussi, ça. Oh, je peux pas avoir les deux, là. Non mais c'est vraiment pas bête hein, sans déconner, bah c'est tellement pas bête que c'est ça. Oulala, y'a panique là. Pas de panique à bord. J'essaye. Ghost Baby. Ah attendez, je réessaye. D'accord, on va pas reconnaître. Oh putain. Alors va falloir apprendre les ordres des objets. Incroyable. Y'a un perks dans le tas, je crois. Ouais, au moins ça on est sûr. Partie de clé numéro 2, on est sûr que ça enchaîne avec partie de clé numéro 1. Bon, on va rusher. Hein. Mais en vrai, ça peut être intéressant. Ah oui, j'ai. En fait, ça enchaîne tellement que j'ai deux parties de clé numéro 1. Ah! Effectivement, bien vu. Tu sais, le mec il veut faire méga Satan, il fait ça. Pour deux parties de clé numéro 1. Je pense que ça a pas beaucoup marché. Bah, Sadonian, je pense que ça va rouler à tel point que ça va être l'objet juste avant. Effectivement. En fait, ça va être le dernier objet. Parce que je vois pas ce temps. On sait pas c'est lequel le dernier objet pour l'instant, je crois. Hein. Bah si, on sait, mais moi je sais pas. Ou je suis pas sûr que c'est une bonne idée ce que j'ai fait. Parce que là, en gros, tu fais quoi là? Le défi? Non, mais ton activable. En gros, tu vois, bah par exemple, si je récupère l'objet 530, et bah l'activable ça me donnera l'objet 529. En gros, ça prend l'idée de l'objet, ça fait moins 1.
Ok, je vois. Ouais, faut reconnaître le numéro des objets, quoi. Bah après, il va falloir connaître peut-être les bons combos, quoi. Potentiellement, je pense pas que... Connaître tous les objets, ça va pas être possible, de toute façon. Je pense qu'on aura du pif. Droite. Ok. Et c'est de la merde. C'est Ghost Paper. Ouais, c'est... Ouais. Ouais. Ouais, c'est l'objet, mouais. Ouais, c'est ça. Ah, le boss couille. Ah. Le retour du boss couille. Non, je veux pas. Non. Je crois que... Ouais, t'es obligé d'y aller un moment, hein. C'est... Est-ce qu'on récupère le Holy Mantle sur les couilles? Bon, ça va. En vrai, techniquement, ça devrait le faire, hein. Ça, c'est bien. Ah, y'a pas de... On va rusher. Je pense que pour la mauvaise, ça va le faire, là. 12 coeurs, ça devrait aller, hein. Est-ce qu'il y a des joueurs de Splatoon 2 dans le chat? Il y a une armure de moi. Alors non, moi, je joue pas à Splatoon 2, malheureusement. Désolé, hein. Même si c'est un jeu qui m'intéresse, hein. En vrai, j'aimerais bien le faire, mais... Ça reste quand tu touches là, je pense. Mais là, il y a Monster Hunter qui est sorti, qui a l'air assez ouf en vrai, hein. Mais Monster Hunter, c'est pareil, hein. Faut le temps, hein. Alors, si ça, c'est pas de la chatte. Si ça, c'est pas de la chatte, les gars. Guppy. Bam! Comme ça. Ha! Si ça c'est pas de la chatte. Et regardez, regardez que ça fonctionne bien. On va apprendre les idées des objets, les gens. Voilà. Alors, et du coup on a Schoolbag maintenant. Alors j'ai pu tester quelque chose. Le Ghost Paper, tu sais, avant il faisait des flammes rouges. Ouais. Maintenant il fait des flammes bleues. Ouais, flammes bleues, ouais. Ah mais c'est assez puissant, je crois, en vrai. Ah oui, c'est vrai qu'on a Guppy. Ah, je pensais qu'on avait rien. Oh là là, mais quel talent. Allez, Mover. Mais essaye d'esquiver aussi, hein. Bon, là, j'aurais pas esquivé, je pense. Ah. Ping pong. Oh, la finisation. Mais ça a l'air très cool. En fait, c'est comme Dragon Quest, c'est pareil, on fait toujours la même chose. Bon, ça, c'est pas dur en vrai. Une fois qu'on maîtrise, c'est pas dur. Je me fais toucher. Oulala. Est-ce que j'ai réussi à l'exploit de mourir? Ouais, c'est celle-là qui est dure. En vrai, bon, ça va. Je suis en train de regarder. Alors, j'ai pris Judas Shadow, mais en gros, là je suis toujours avec Judas. Soit je fais Mother, mais je suis en Judas Shadow. Soit je fais. Ouais. Ouais, vas-y, on va tester Judas Shadow, puis voilà. Bah voilà, vous voyez. Une fois qu'on connaît, c'est pas dur. Je l'ai dit, hein.